Ici Coach Dan, cette semaine à Brave Musique, on reçoit Ced Auger. Je remercie nos partenaires, le Pub Code Rouge, la TVC d'Argenteuil et la boutique Roche La Chute. Tout ça à Brave Musique. C'est du Brave Musique, Deep Bush, Deep Bush. C'est du Brave Musique, Coach Dan. C'est du brave musique, c'est le code rouge. C'est du brave musique, TVC d'Argenteuil, TVC d'Argenteuil. Performance, contenu québécois, contenu québécois. C'est du brave musique. Salut tout le monde, mon nom c'est Deepers, accompagné de Coach Dan. Bienvenue à Brave Musique. What's up, Coach? Ça va bien? Yes. On est avec Ced Auger, auteur, compositeur, interprète. Comment ça va, Ced? Ça va bien, nous autres, les boys? Ça va merveilleusement bien. Yes. Yes. Hey, écoute, on va partir ça tout de suite. Écoute, j'aimerais ça savoir, Ced, t'es né où, t'as grandi où? Moi, dans le fond, je viens de Hall. Dans ce bout-là, c'est ça. T'as grandi à Hall, à Gatineau, dans ce coin-là? Ouais, ben, je me souviens pas où je suis grandi, là. Je suis né, mais je suis grandi à Hall, mon gars. OK, dans ce coin-là. Yes. Puis là, en grandissant, tes intérêts, t'étais quel genre de personne? Tu faisais quoi? Moi, quand j'étais jeune, mon gars, là, je me suis fait pas mal niaiser dans la vie. J'ai commencé à faire du rap avec un petit micro. Hein? Puis là, ça marchait bien. J'étais content. Mon père m'a donné une guitare. Il m'a montré une toune. J'ai commencé à jouer de la guitare. C'est ça, mon intérêt. Moi, dans la vie, mon intérêt, c'est la musique. Puis ça va tout le temps être ça. Fait que t'es tombé là-dedans jeune. Oui, à 14 ans, man, j'ai commencé à faire de la musique, puis j'ai jamais arrêté, man. Là, t'as nommé, tu sais, que tu te faisais comme écœurer, tout ça. Quand t'as commencé ta passion, tout ça, ça a-tu changé ou... Absolument, man. Quand je vais leur dire, je l'ai dit dans l'autre entrevue, la première tune que j'ai faite, là, j'avais un petit micro, j'avais un petit beat de rap, j'ai fait une tune, ça s'appelait « Fume des battes ». J'avais jamais fumé un joint de ma vie, mon gars, dans ce temps-là. Puis Chris, à l'école, ils ont tous trouvé ça drôle à mort. Puis j'ai continué avec ça, tu sais. J'avais un petit micro avec un petit beat. J'ai dit « fume des battes ». C'est de moi que ça a parti, puis ça a continué, man. Ah, celle-là est bonne, pareil. Tu fais une toune, fume des battes, le gars, il sait pas c'est quoi. Elle est poche en esti, je te dis. Okay. Fait que dans le fond, t'as découvert ta passion très tôt. Ah oui, man. Puis ton évolution, ça avait l'air de quoi? Parce que tu découvres ta passion à l'âge de 14 ans ou un peu plus jeune, puis là, t'embrayes là-dessus avec le rap. Puis comment ton processus s'est passé? Dans le fond, man, j'ai commencé à faire du rap. Avant, c'était Almaniac, mon nom. C'était pas Ced Auger. J'ai commencé à faire du rap, mais je me suis tout le temps senti que comme si c'était un personnage, Almaniac. Je parlais tout le temps des affaires de gangster, mais je suis pas gangster, moi. Tu sais, là, j'ai commencé à jouer de la guitare. Là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'aurais à faire de la musique sous mon vrai nom. Mon nom, c'est Cédric Auger. Ced Auger, quand on va y aller. J'ai commencé à chanter sous Ced Auger. Puis depuis ce temps-là, ça y a été, man. Je me suis tanné, là. J'étais tanné d'avoir un personnage. Puis c'est ça, man. Puis tu sais, moi, je me souviens, le personnage d'Almaniac, t'as eu vraiment du succès sur ce nom-là. Ouais. Ça t'a amené, tu sais, t'es même venu faire un show avec nous autres à La Chute à l'époque pour le projet Jusqu'au bout. Puis, tu sais, moi, je voyais tes vidéos, tout ça, là, t'as eu un gros succès. Puis, à un moment donné, t'as décidé, OK, garde, moi, je reviens à moi-même, puis on y va avec. Puis, le pire là-dedans, c'est que je t'ai rendu là, tu sais. Puis, le monde aujourd'hui, ils savent pas que Ced Auger, c'est Almaniac. Ah! Ils okay. savent pas, tu sais. J'ai des millions de vues sur Almaniac, mais je l'ai laissé de côté, lui, parce que ça, c'est pas moi. Mm. Tu sais, je l'ai laissé. J'ai voulu chanter pour moi, qu'est-ce que j'avais à dire. Si j'écoutais mes chansons aujourd'hui de Ced Auger, c'est plus moi que comparé à Almaniac, qui chantait plus des affaires. Je sais pas comment vous les expliquer. Genre, le rap, souvent, ça l'amène des genres de tu sais, on essaie de donner un style, des affaires-là. Une perception. C'est ça, genre, mais moi, j'étais tanné de ça. Fait que j'ai commencé à chanter, man, des tunes de braillard. Fait que je braille à Stars. Du vrai québécois, là. Du vrai braillard. Ben, j'aime ça, tu sais. Qu'est-ce que tu dis là, c'est d'être authentique à soi. Ah, ça y est. Moi, je suis bien pour ça, tu sais, d'être nous-mêmes dans la musique qu'on fait. Ben, chapeau. C'est vraiment cool. Super, bro. Toi aussi, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, là? Moi, je suis curieux de savoir comment tu as trouvé ton authenticité, si je peux me permettre. Tu sais, comme là, tu sais, toi, tu as décidé de te laisser partir le personnage. Tu es devenu Ced Auger.
le chanteur, comment t'as trouvé ton chemin, si on veut? Honnêtement, coach, là, moi, j'ai tout le temps été honnête envers moi dans mes sentiments, mais moi, quand je chantais du rap, à cette heure, quand je chante ma musique, c'est souvent de la musique triste, mais c'est parce que ces jours-là, je suis triste. J'ai jamais cherché c'était quoi, ça sort de même. Si je sors de quoi, puis je dis, esti, ce jour-là, nanana, va me suicider. Ça a l'air intense, là, mais ce jour-là, c'est le même que je pensais. C'est triste, mais c'est ça que ça se passait. Moi, quand je chante des chansons, j'ai pas cherché, ça le sort de même. J'arrive en studio, je l'écris, ça sort comme ça. Ah, tu y vas du gut, du feeling. Puis ton processus par rapport à ça, justement, t'arrives au studio, t'écris, est-ce que t'as une méthode? Ou toi, t'arrives, c'est beau, moi, je mets le pen, j'écris pas. Go, on y va, là. J'écris pas. Ah non, t'écris ah, pas. Ouais, hein? Okay. OK. Pourquoi? Je sais pas. On dirait que quand j'écris, genre, je retourne trop au rap. OK. Comme quand j'écris, on dirait que j'essaie trop de faire des flows, puis ça y va pas. Puis comme les gars, ils me l'ont dit en studio, chante, fais que chanter. Là, je chante, là, ça y va. Puis après ça, on coupe des affaires. Boum. Là, on y arrive à quelque chose, tu sais. Mm. Mais si je me mets à écrire, on dirait que je retourne trop dans le rap, puis je retourne trop dans. Je sais pas comment t'expliquer, là. Mais. Dans cette méthode-là, si on veut, fait que toi, tu te réfères à ça naturellement parce que t'as fait ça pendant longtemps, je présume. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment cool. Tu t'expliques vraiment, c'est de laisser le talent monter. Tout simplement. Tu laisses ça monter. Qu'est-ce que tu vis dans ce moment-là? C'est ça qui sort. Tu sais, dans la vie, là, dans la vie, pour les jeunes qui nous écoutent, là, si t'as de quoi à chanter, mon gars, chante-les, man. Ça soit le pire affaire, est-ce que tu pourrais chanter, chante-les, mon gars, ça va te faire du bien. Le lendemain, tu vas te lever, tu vas te sentir bien, man. Puis, tu sais, même si ta mère a dit, hostie, chante pas ça, ben, chante-les pareil, tu vas te sentir bien, mon chum. Je te le dis. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, c'est la musique, parce que je serais pas ici en train de vous parler aujourd'hui. Je vous le jure, man. C'est la musique qui m'a sauvé. Chantez, qu'est-ce que vous avez à chanter. Lui, il va vous le dire, lui, il chante son esti de vie. C'est ça que c'est, man. Vraiment, vraiment. Oui. C'est la libération du cœur. Absolument, man. Là, tu parles de chanter. Fait que là, les téléspectateurs vont être bien contents de t'entendre, mon gars. On s'en va à la performance musicale. Je te laisse annoncer la première chanson que tu vas faire pour les gens qui nous écoutent. Ben, c'est que t'es belle. Pour la petite femme qui est là-bas. Alors, restez là, on va entendre C'est que t'es belle de Sado G. À Brave Musique. La, la, la. Est-ce que t'es belle? C'est pour ça que je te regarde. Même quand t'es pas là, je m'ennuie ta face. On fera des enfants, on s'aimera longtemps. Si tu restes avec moi, je te donnerai mon temps. Est-ce que t'es belle? Tu l'as toujours été, puis tu seras tout le temps. Même quand tu penses tu l'es plus autant. Plus tu vieillis, plus t'es belle par amour. Puis grâce à toi, les gens chantent notre histoire. Ça a l'air que les gens veulent entendre mon cœur, mais ils parlent juste de toi. Je te connais par cœur. Puis si le pire un jour, je remplis sa pelle, la foule au complet te dira si t'es belle. Et c'est pour ça que je te regarde. J'aimerais que tu restes, mais si tu pars, c'est normal. Autour de moi, j'ai causé plein de mal. J'ai blessé plein de femmes, j'ai vendu plein de scrap. Mais toi, t'es resté, t'as cru en moi.
même quand les polices ont voulu m'embarquer. Est-ce que t'es belle? Oh, oh, oh. Pis est-ce que je t'aime? On est de retour à Brave Musique avec notre invité de cette semaine, Sed Ogé. Yeah, Buck. Yeah, man. Écoute, là, c'est moi qui se gâte. Des questions pour toi, des questions des Braves. Puis moi, j'aimerais beaucoup ça que tu nous nommes tes trois plus beaux moments en carrière jusqu'à date de ta carrière musicale. Ah ouais, hein? Moi, je pense qu'un des plus beaux moments que j'ai eu en carrière, c'est quand on a fait un show avec Banator à OBG1 sur la réserve. C'était magique. On est arrivé là-bas, mon gars. Il nous a... Moi, j'ai eu un cadre fait en main. Lui, il a eu un petit canot. L'autre, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a eu. Ils nous ont nourris comme des fous. Après, on a fait le show, là. Mon gars, là, j'ai jamais vu une salle remplie de même. Okay. Le monde, il était jam-pack. Puis, ils nous donnaient du love. Eux autres, là, ils ont rien, là, là-bas, là. Comme, ils sont dans le fond du bois, là. Toutes les maisons sont pareilles. Ils ont rien. Mm. Ça m'a fait réaliser c'était quoi, genre. Puis ça, c'est un des plus beaux moments. Un autre des plus beaux moments, je pense que c'est quand mon père il m'a donné sa guitare, puis il m'a montré la tune Horse with No Name. Puis, il me l'a montré le même soir, je l'ai appris, c'est facile, c'est pas compliqué, mais le lendemain, j'avais écrit une tune là-dessus. Hein? J'avais écrit une petite tune, c'était pas trop bon, mais c'était cette tune-là. Puis la troisième, je pense que c'est quand j'ai commencé à chanter. Fait que je pense que c'est ce jour-là. Je pense que c'est ça, mes trois moments, mon chum. J'aimerais ça qu'on revienne sur le moment que tu as vécu là, dans la réserve. Ouais. Moi, j'ai jamais eu le privilège d'aller faire un spectacle là, pour les peuples des Premières Nations. Mais j'imagine que ça doit vraiment être un choc culturel là, se retrouver dans un endroit comme ça. Mon gars, c'est un autre monde. Tu sais, ces gens-là sont comme dans une bulle. Mm-hmm. Toi, tu rentres là. Ils savent t'es qui, mais t'es un blanc. Mm-hmm. Les blancs, ils rentrent pas là d'habitude. Pourquoi? Ça, c'est bizarre, mon gars. Ça, c'est bizarre que eux autres sont comme dans des ghettos, mon gars. Puis toutes les maisons sont pareilles. Tout est pareil. Eux autres, ils ont rien là-bas, man. Ils sont à 12 heures de route. Quand t'arrives là-bas, mon gars, là, t'es... Ils capotent sur toi, là. Okay. Puis comme ils en pleurent, là. Ils capotent sur toi, là, tu sais. Moi, ça m'a vraiment touché, man, de voir ça, parce que... Ces gens-là, là, c'est leur terre ici qu'on est dessus. Hein? Puis, moi, je m'en vais là-bas, puis ils sont là tout entassés, même dans des maisons. Mais je pense que j'ai fait le tour. C'est ça. Ah, on sent beaucoup l'humilité et la gratitude dans. C'est spécial, man, aller là-bas. Parce que ces gens-là, man, ils ont pas vu ça, man, des shows. On était là-bas, man, il y en a qui parlaient cri, là. Ils parlaient même pas français, si, puis ils demandaient des autographes à Mouk Banator, là, tu sais. C'était l'affaire qu'ils avaient dans leur année, là. C'était ça qu'ils avaient dans leur année, eux autres, un show de même. Mm. Tu sais, c'est à 12 heures de route, là. Ah, mais c'est beau. C'est beau. Puis gros love à OBG1 puis à Pointe Bleue, by the way. Ah, puis on va souhaiter que ces gens-là puissent recevoir d'autres spectacles puis qu'il y ait des artistes qui aient envie d'aller les voir, tu sais, clairement. Là. C'est super cool, man. Moi, j'ai capoté, man. Puis tu as parlé aussi, beau moment, tu sais, le cadeau de ton père. Ton père, en ce moment, a-tu une place importante dans ta vie au niveau de ta carrière? J'ai pas envie de parler de mon père. OK, OK. Mais le moment qu'il t'a laissé la guitare, ça, c'était quelque chose que tu vas toujours te souvenir. Ben oui, man. C'est lui qui m'a amené. Mon père, là, il connaît genre trois chansons, puis ça fait comme 10 ans qu'il joue, puis il est poche. Hein, mais c'est lui qui m'a donné le goût de chanter. Il a fait ce cadeau-là. Tu sais, puis là, tu sais, il jouait de la guitare, puis il était un peu choqué, parce qu'après le lendemain, je jouais déjà une chanson, tu sais. Mais c'est lui qui, aujourd'hui, il est content de me voir. Tu sais, il est content que je suis rendu là. C'est fun. C'est grâce à lui. Mais je suis pas sûr qu'il le sait parce qu'il est pas bon avec les téléphones puis il est pas bon avec Facebook. Mais si t'es bon avec Facebook, pa, I love you, still. All right? C'est nice. Ben, tu sais, des fois, c'est des gestes comme ça, tu sais, qui changent une vie. Tu sais, fait que, tu en as parlé tantôt pour les jeunes, là, puis, tu sais, n'hésitez pas à la maison, vous avez des jeunes dans vos familles, vous êtes beau-père, vous êtes parents, à présenter vos passions, à leur montrer qu'est-ce que vous aimez.
ça va vraiment changer leur vie comme ça a changé ta vie à toi. Just by the way, à Hull, je sais pas s'il y a ça ici, à Hull, il y a le lab. Si vous avez des jeunes, c'est n'importe quel âge, ils ont des studios gratuits à Hull sur la rue Charlevoix. Tu peux aller là-bas, te présenter, si tu veux faire de la musique, tu te présentes, tu te dis « je veux faire de la musique », il y a un gars qui s'occupe de la musique gratuitement. Il va t'enregistrer. Je sais pas si vous avez vu ça. Ben non, c'est quelque chose qui manque. Ça serait un beau projet à faire. Fait que, Chris, allez-y, man. Moi, je te dis, moi, ça a changé ma vie, ça m'a sauvé. Toi, ça t'a sauvé? Moi, le sport. Toi, je t'aime. C'est ça. Exactement. C'est vraiment cool. Ouais. Puis, tu sais, gars, on est en train de parler des jeunes, puis ça, c'est une partie de l'entrevue que j'adore. Okay. J'aimerais ça que tu fasses un message à toi, plus jeune, à la caméra. Comme si tu te parlerais, là, étant jeune, là. Tu parlerais à Sadogé, à le maniaque, puis tu lui dirais un conseil à ce jeune artiste-là là, par rapport à la musique. Là. Mon chum, t'es talentueux, t'es bon, mais touche pas à boisson, mon chum. Touche dis jamais, puis aime le monde alentour de toi plus, puis arrête de lui faire de la peine. Et voilà. C'est bon? Vraiment nice. C'est bon? Vraiment nice. Touche pas à boisson. Puis je pense que ça va un petit peu dans le sens ça, de la prochaine chanson que tu vas aller faire en performance, je crois. Je te laisse encore une fois l'annoncer. Esti de boisson. That's it. On s'en va écouter ça après la musique. Yeah. Esti de boisson, man. On avançait, les yeux pleins d'eau, les yeux pleins de sang, les poches pleines d'eau. Perdu trop de temps à remonter en haut. La blonde de Chris, la ruelle reste. Deux pilotes pour pas mourir de fret. Fuck the world, ils sentent Chris qu'on crève. J'suis pas étonné, ça paraît-tu? J'suis le temps à buzzer, dans le fond, j'espère que ça me tue. Est-ce une poisson, des colis? Prends-moi le bain, mais rends-moi triste. J'prends la tête pour pas me sentir. Mais j'suis libre, j'suis libre. Est-ce une poisson, des colis? Prends-moi le bain, mais rends-moi triste. J'prends la tête pour pas me sentir. Yeah. Yeah. Baby, je m'en vais refaire le monde. Quand je reviendrai, j'aurai plus de plomb. J'ai même tout bu, je me souviens plus. On s'aimait dessus, parce que moi, je m'aime plus. J'ai tellement de rage, mais tellement de peine. Juste malade que personne comprenne. Vous êtes jaloux, mais jaloux de quoi? De la maladie qui me donne la voix. Est-ce une poisson des colis? Rends-moi le bain, mais rends-moi le triste. J'prends la tête pour pas me sentir. Mais j'suis libre, mais j'suis libre. Est-ce une poisson des colis? Rends-moi le bain, mais rends-moi le triste. J'prends la tête pour pas me sentir. Mais j'suis libre, mais j'suis libre. Fait que là, ils m'ont donné le droit, fait qu'on est de retour après la musique avec le coach. Je suis content. On est rendu à mon segment favori, donc les 10 questions du coach. Donc, je t'explique rapidement, je te pose 10 questions. Tu réponds brefement, très rapide, avec un mot. Merci, bonsoir, réglé, okay. Pas de pensée, pas rien. Let's go. All right, on y va. Ton mot favori? Femme. Le mot que tu aimes le moins? Menterie. Un son ou un bruit que tu aimes? Un son ou un bruit que t'aimes pas pantoute? C'est bon. Oh, du fun, là, ton sac favori? Calice. Un classique, hein, classique du Québec. Un métier que tu aurais aimé tenter autre que celui que tu fais? Acteur. Acteur, oh! Mm. Un métier que t'aurais vraiment pas aimé? Charpentier. T'aurais rencontré un génie, Sadogé, il y a 10-15 ans, puis t'aurais dit, toi, dans 10-15 ans, tu vas être là dans ta vie, tu l'aurais-tu cru?
Oui. Ouais, la recrue. Non. Non. Ton péché mignon. Les femmes. All right. La dernière question, on rappelle toujours aux téléspectateurs que c'est pas pour promouvoir la religion. Donc, la journée où tu vas arriver au paradis, aux portes des cieux, qu'est-ce que tu aimerais que le bon Dieu te dise? Mens pas là, gros. Ça le mérite. C'est la meilleure chose. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Hey, bon. T'es une première. Hey, je réponds vite, là, sorry. C'est parfait. On aime ça, mec. Hey, pour vrai, Sam, merci beaucoup. Respect, merci, man. T'as vraiment nice, on a une fun. Merci beaucoup. Coach, yes, sir. Toujours un plaisir. Bon, un gros merci au Pablo Codrouge, mon partenaire, la TVC d'Argenteuil, et surtout la boutique Roche la Chute. On va finir l'émission avec une dernière chanson de Seth Daugé, la chanson « Aime-moi ». Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine à Brave Music. Yeah. Aime-moi. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tête, laisse-moi plus t'aimer. Laisse-moi plus t'aimer. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tête, tu me fais mal, puis après tu te files en douce. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tête, laisse-moi plus t'aimer. Laisse-moi plus t'aimer. Aime-moi avant que je casse tête. J'ai pris les clés de mon vieux bazou. J'ai pris la route, j'roule vers n'importe où. Un vieux souvenir égratigné au fond de ma tête, éparpillé. Je veux m'en aller plus loin que je peux. J'ai tout oublié, foutu tes yeux. Je verserai pas de larmes, non, je mérite mieux. Mon cœur y est scrap, il se devient vieux. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tout. Laisse-moi plus t'aimer, laisse-moi plus t'aimer. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tout. Tu me fais mal, puis après tu te files en douce. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tout. Laisse-moi plus t'aimer, laisse-moi plus t'aimer. Aime-moi avant que je casse tout. Au fond de tes yeux comme au fond de moi, je vois plus grand chose et ça me déçoit. Mais faut pas que je pense, je pense à toi, que toutes tes nuits t'es dans d'autres bras. Est-ce que ça m'agane? Je m'en vais me noyer dans deux autres quincaines. Une feuille blanche, un goût amer, un souvenir flou, puis un cœur de pierre. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tout. Laisse-moi plus t'aimer, laisse-moi plus t'aimer. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tout. Tu me fais mal, puis après tu te files en douce. Aime-moi ou aime-moi, puis pas tout. Laisse-moi plus t'aimer, laisse-moi plus t'aimer. Aime-moi avant que je casse tout. T'es belle en crise, t'es adorable. J'ai mal en dedans, tu me pètes en quatre. Pis ça t'amuse, on dirait ben. Moi, regarde-moi l'air, quoi ça te fait rien. J'suis pas des notes pour m'évader. Sur pas ailleurs, très loin de moi. J't'écris des mots pour que tu m'entendes. Mais j'finis seul à boire ensemble. Laisse-moi plus t'aimer. Laisse-moi plus t'aimer. Laisse-moi plus t'aimer. Non, 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 non. Merci la chute. I love you all. Merci Brave Musique. Passez une excellente soirée.